À la une de l'actualité de ce samedi 16 avril, incendie, destruction, glissement de terrain ont laissé au moins 19 personnes mortes et semé l'angoisse toute la nuit de vendredi à samedi dans le sud-ouest du Japon, à nouveau frappé par un violent séisme. Un tremblement de terre de magnitude 7, d'après l'Institut de géophysique américain, a eu lieu à 1h25 heure locale à une profondeur de seulement 10 km. L'agence de météorologie japonaise l'a évalué à 7,3 après 7,1 dans un premier temps. Des incendies ont éclaté en beaucoup d'endroits et de graves dommages sont constatés dans de vastes zones, a annoncé le porte-parole du gouvernement Yoshide Suga, citant 76 cas de personnes soit bloquées, soit enterrées vives sous des décombres. 9 personnes avaient déjà péri lors d'un premier séisme de magnitude 6,5 survenu jeudi soir et suivi d'un grand nombre de répliques. Les secousses avaient détruit des maisons dans la petite ville de Mashiki de la préfecture de Kumamoto à quelques 900 km de Tokyo. Près de 900 blessés, dont une cinquantaine grièvement, avaient été déplorés. Situé à la jonction de 4 plaques tectoniques, le Japon subit chaque année plus de 20% des séismes les plus forts recensés sur Terre. Les Japonais sont encore plus sensibles au risque depuis le tsunami de mars 2011 qui a tué quelque 18 500 personnes et entraîné l'accident nucléaire de Fukushima.